Love me do. Il y a 52 ans, le monde de la musique voit surgir un groupe de 4 petits jeunes originaires de Liverpool, des musiciens inconnus cherchant désespérément à percer, sillonnant l'Angleterre dans une camionnette un peu pourrie et multipliant les petits concerts. Il y a 52 ans naissaient les Beatles. C'est précisément le 5 octobre 1962 que sort le tout premier 45 tours du groupe de rock qui deviendra le plus populaire du monde. On en parle aujourd'hui avec un passionné, c'est Yves Bigot. Bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes directeur général de TV5 Monde, mais aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur la musique. Votre dernier livre, Brigitte Bardot, la femme la plus belle et la plus scandaleuse au monde, aux éditions Don Quichotte. On va d'abord revenir sur la publication de ce premier titre, on vient de l'entendre, c'est Love Me Do. Ça sort en Grande-Bretagne, 17e place du hit parade. Ce n'est donc pas encore le carton, mais c'est prometteur. Et surtout, ça tranche complètement avec tout ce qu'on entend en Grande-Bretagne à l'époque. Parce que cette chanson, qui paraît un peu désuète évidemment à nos oreilles aujourd'hui, à l'époque, elle est d'une sincérité, d'une proximité, d'un naturel, d'une spontanéité qui tranche complètement avec tout ce qu'on entend, qui est sophistiqué avec beaucoup d'écho sur la voix, etc. Là, on a un son plat, très direct, on entend très très bien et de manière très proche, presque intime, la voix de Paul McCartney, l'harmonica de John Lennon. On est dans quelque chose qui change radicalement le son de ce que diffuse la radio anglaise à l'époque. Oui, parce que c'est effectivement très très simple. Hein. Je t'aime, alors s'il te plaît, aime-moi. Le mot love répété 21 fois. Cette date phare va mettre fin pour eux à 5 années de galère quand même. Comment naît ce groupe ? Il naît très spontanément dans une fête de Liverpool où John Lennon, qui a son petit groupe, les Quarrymen, rencontre Paul McCartney. Tous les deux, immédiatement, il y a un rapport incroyable. Ils aiment le rock américain et le rhythm and blues américain passionnément. Ils commencent à écrire des chansons et ils vont monter petit à petit ce groupe. C'est Paul qui va amener George Harrison. À l'époque, ils sont 5. Il y a un copain de John qui s'appelle Stu Sutcliffe qui est là, un batteur qui s'appelle Pete Best. Mais au moment où ils enregistrent, Stu est resté à Hambourg, où il a trouvé l'amour de sa vie. Parce que les Beatles ne jouaient pas qu'en Angleterre, ils jouaient aussi comme tous les groupes anglais en Allemagne, dans les clubs pour marins de Hambourg. Et Pete Best vient d'être viré suite à leur première audition dans leur maison de disques au mois de juin par le producteur George Martin qui dit « Mais votre batteur, il n'est pas assez bon. » Et donc, ils engagent Ringo Starr, qu'ils connaissent, car il est lui aussi dans un autre groupe de Liverpool qui galère de la même façon et qui arrive en studio pour enregistrer Love Me Do avec d'ailleurs un peu cet incident, c'est que c'est lui qui joue sur la première version qui paraît donc le 5 octobre en 45 tours. Mais une semaine plus tard, le producteur George Martin décide que pour la version de l'album, il va falloir prendre un meilleur batteur et fait venir un batteur de studio qui s'appelle Andy White, qui va jouer sur donc la version de l'album qui paraîtra en janvier, Ringo étant simplement relégué au tambourin dans cette version-là. Mais vous parliez du titre « Love Me Do ». Ben, c'est du vernaculaire, hein, c'est pas de l'anglais. Ça peut se traduire exactement par « aime-moi donc », finalement en français, mais c'est pas du bel anglais. Mais c'est une des choses aussi que les Beatles sont amenés, c'est le langage de la rue, le langage des vrais gens, des vraies personnes, avec ce qu'ils appellent des ringoïsmes, c'est-à-dire souvent des expressions très populaires de Ringo Starr, qui par exemple va inventer plus tard « A Hard Day's Night », ce qui est un truc qui ne veut rien dire, mais en même temps qui veut dire du coup beaucoup plus, parce que ça veut dire qu'on est vraiment cuit. Et ça parle aux gens. C'est à partir de leur deuxième single que la Beatlemania se met en marche. « Please, Please Me » paraîtra le 11 janvier 1963, et cette fois, il va atteindre la première place des hit-parades tout de suite. Ça y est. Alors là, c'est parti. Ce qu'on avait pressenti avec le succès tout à fait inattendu de Love Me Do, parce qu'il n'arrive qu'à la 17e place des hit-parades, mais c'est totalement spontané. C'est uniquement le public qui adhère et qui fait monter ce titre, qui n'est soutenu par aucun média. À l'époque, tout est concentré à Londres. Eux, déjà, c'est un groupe de Liverpool, donc c'est un groupe provincial avec un accent qui n'est pas l'accent qu'on entend habituellement à la radio. On a un accent presque victorien encore, ou élisabétain, très châtié. Eux, ils parlent l'anglais de la rue, le scouse, qui est l'espèce de patois liverpoolien. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau qu'ils apportent. Et on voit bien le phénomène, c'est que dès le deuxième titre, ils sont numéro un. Et un an plus tard, ils vont exploser aux États-Unis et dans le monde entier. Oui, parce que l'Amérique va effectivement tomber sous le charme. Comment vont-ils s'y prendre ? Il y a un événement majeur qui va jouer dans leur carrière aux États-Unis. C'est un show télévisé. Oui, alors
avant le show télévisé, déjà toutes les maisons de disques américaines ont refusé de sortir les premiers titres des Beatles en disant ça va pas marcher, c'est un petit label local qui va prendre... Ils sentent pas le truc du à tout, ce moment-là. Du tout. D'abord parce qu'aucun artiste britannique n'a jamais eu de succès aux États-Unis à cette époque-là. Donc déjà, c'est presque mort dans l'œuvre. Cliff Richard ou les Shadows n'ont eu aucun succès aux États-Unis. Donc pourquoi ceux-là plus que d'autres? Et ce petit label va sortir I Wanna Hold Your Hand, qui va être numéro 1 aux États-Unis en janvier 1964. Et donc immédiatement derrière, la plus grande émission de télévision américaine, le Ed Sullivan Show, va inviter les Beatles. Là, plus de 70 millions de téléspectateurs. C'est le record absolu des audiences à la télévision à l'époque. Et d'un seul coup, toute l'Amérique va tomber sous le charme des Beatles. Ça va déclencher l'hystérie absolue de la Beatlemania, qui elle a commencé déjà depuis quelques mois en Grande-Bretagne, mais là qui va déferler sur le monde entier. Et justement, parlons de cette hystérie, concert inaudible du fait des cris des fans, s'accompagne de débordements. Il y a un moment où les concerts tournent mal, les concerts des Beatles n'ont plus rien à voir avec la musique, ce sont de foutus rites tribaux, c'est ce que dit à l'époque John Lennon. Et oui, c'est ce qui les conduira d'ailleurs fin août 1966 à cesser de donner des concerts, parce qu'à l'époque, la sonorisation n'a pas du tout la sophistication qu'elle a aujourd'hui. Donc les conditions dans lesquelles ils jouent sont épouvantables, ils ont des petits amplis, ils ne s'entendent pas, les fans crient. Mais le phénomène, c'est un phénomène à la fois culturel, presque spirituel, et puis sexuel, qui va en même temps que la libération sexuelle, parce que vous parlez des cris de leur public. 80% de leur public sont des jeunes filles qui ont entre 10 et 18 ans et qui libèrent toutes leurs hormones, leurs pulsions hormonales, sexuelles, etc. devant ces quatre garçons qui vont incarner quelque chose d'inouï. C'est les quatre meilleurs amis que le monde a jamais connus. Et puis ils incarnent aussi quelque chose, c'est d'abord la culture et la prise en main pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, non seulement de la culture, mais aussi de l'économie, par la jeunesse. Ça n'est jamais arrivé, c'est eux qui ouvrent cette porte. Alors en avril 70, le groupe va se séparer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus adultes, que chacun a sa vie, depuis qu'ils ont arrêté les tournées, au lieu d'être tous les quatre, tous les jours, ensemble, ils ont des familles, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils commencent à avoir des intérêts séparés, à avoir des aventures en solo. Et puis aussi, l'époque commence à tourner. C'est-à-dire les Beatles, ils incarnent les années 60. Si on veut savoir ce que ce sont que les années 60, il suffit d'écouter les Beatles. Ou de les regarder, même à la manière dont ils sont habillés, leurs cheveux, leurs moustaches, qui évoluent sans cesse, qui changent d'ailleurs sans arrêt. Une créativité absolument incroyable. Parce que de la simplicité de Love Me Do jusqu'à la sophistication de ce qu'ils vont faire par la suite avec Sgt. Pepper, Abbey Road, etc., c'est incroyable. De progression invraisemblable. Et ils arrivent à un moment où, après mai 68, après Woodstock, etc., au moment où ils se séparent, début 1970, tout ce qu'ils ont porté, cette prise de pouvoir par la jeunesse, et puis cette révolution non seulement des mœurs, mais révolution culturelle, révolution planétaire, etc., qui pense qu'elle va devenir une révolution politique aussi, c'est juste le moment où on comprend que le monde qui était devenu incontrôlable et qui allait peut-être basculer dans un chaos révolutionnaire dont on ne sait pas ce qu'il serait devenu, en avril 70, on comprend qu'il y a la reprise en main par ce qu'on appelle l'establishment en anglais, en tous les cas, par la société. Et donc, d'une certaine façon, il y a une logique dans le parallélisme qui conduit à la séparation du groupe à ce moment-là. Yves Bigot, si je vous demande de terminer cette phrase, le 5 octobre 1962, c'est le jour où, que me répondez-vous ? Est paru le premier 45 tours des Beatles, Love Me Do, qui va révolutionner la planète. Merci beaucoup, Monsieur Bigot, d'avoir été mon invité dans Le Jour Où. L'information continue sur LCI.